Réseau plaignant avec avocat qui dans dossier Petro Caribeo confirmé effectivement yo te rendu dans l'ambassade Venezuela dans Port-au-Prince dans date 16 d'août passé pour adresser une requête by Nicolas Maduro avec vice-président là dans l'idée pour empêcher Venezuela réactiver programme ça en faveur Haïti si lumière pour qu'au fait sous gaspillage l'argent ça une autre bof nous dit avocat yo dénoncé traîner pied yo dit qui gagne bon côté autorité judiciaire yo dans dossier ça et faut que nous dit tout dans ça qui rapport avec actualité ya. Nan 72 heures k'ap vini la gen yon décision ferme k'ap soti concernant journaliste ki te sibi agression nan men agent sécurité parlement haïtien yon. D'après ça président chambre basse la Garibodo monsieur fait konnen monsieur condamné à toute force li attitude zefeyis agent ça député Delma monsieur annoncé tout gen yon enquête ki l'ouvri sou attaque ki te fait sou parlement nan la nuit dimanche 19 pou kapab l'ouvri 20 d'août k'ap vini la 64 prisonniers qui étaient arrêtés dans le cadre d'un mouvement levé campé 6 7 à 8 juillet passé à toujours coupé dans prison avocat accusé Léonel lui dénoncé la justice il dit qu'il traîne pied pour faciliter jeune garçon avec femme sa yo manger prison avocat au continue critiquer arrestation habit kayo 10 citoyens sa yo ta victime il faut que nous dit tout un Blaise gagne une note monsieur journaliste qui a crédité dans parlement yo mettez dehors nèg yo qui condamné avec force yo nèg yo même fait pression là côté yo annoncé 2 jours là yo pas couvri aucune activité qui a fait dans parlement tout autant pas gagné excuse publique qui baille sous journaliste qui lui-même victime en bas dans parlement là si yenn t'a critiquer comportement avec ça aujourd'hui il faut que nous batte gros bravo là contentement moi négocier 2 jours bail faut que prendre toute reste année d'après moi-même exactement en tout cas président pays à Jovenel Moïse monsieur t'a proposé à premier ministre nommé à met Jean-Henri Seyan pour capable reconduire plus fort ministre tête caléo dans nouveau gouvernement d'après révélation député Abel de Colline qui t'a réagi dans micro Salomon Sedmé monsieur Seyoun député groupe 16 yo qui annonçait il y a paré un document qui gagne là dans la proposition groupe là pour capable remettre premier ministre Jean-Henri Seyan Matiana différent New York Élisée Jean-Baptiste nous pral gagner bulletin météorologique là avec madame Shirley Saint-Victor c'est ça et puis n'a gagné tout pour nous voir comment question la rue hier avec différents collaborateurs New York côté Salomon Sedmé Romanes samedi John Wesley Abdias yo tout net mobilisé n'a gagné pour causer avec eux pour connaître comment Port-au-Prince à Crespeya levé pour matin et n'a pas collectivité à matin en collaborateur nous Jean-Philippe Massé a gagné pour recevoir des qui est Rivière des Niplans qui c'est cadet RTLO. Et pas bien ça à 6h40 collaborateur nous Salomon Sedmé l'a gagné pour capable recevoir invité dans journal pour jodia. Jodia c'est sénateur Nord-Ouest là au nom Dieu lui qui lui-même va faire gros révélation dans rubrique invité. Point ça avec divers les autres va faire essentiel pas oublier ça dès pour bien lever ou par l'autre côté ou sur antenne Radio Méga. N'a font petit camper tout de suite n'a tourner pour développement actualité. Voilà Radio Omega 5h avec 9 minutes dans matin on va suivre troisième livraison journal créole Mega matin notre compte avec vous même pour journal ça pour aujourd'hui c'est grâce avec appui support collaboration toute équipe salle nouvelle radio coordination journal ça Salomon Sedmé rédaction c'est Jean-Philippe Masséan en bas supervision coup de plume Rodrigue Séjour touche technique dans la coupe Port-au-Prince c'est Nelson McKinley puis loin la caille Roncho Pam Dans micro avec vous-même, non pam toujours pam, bon temps mauvais temps. Élisée Jean-Baptiste avec Blaise Peterson. Bon, bien entendu, ils ont pas seulement écrit avec Biroua, groupe journaliste, ils ont sorti notre ça rien que pour capable dénoncer, protester avec véhémence, avec fracas, eh ben comportement bourreau, agent sécurité qui n'a pas le mal eux-mêmes, ils ont gagné, surtout ils ont certain Ernst Louis. Qui lui-même c'est ancien, il était détaché avec sénateur Nenel Kassi. Eh ben sénateur ça t'a semblé finalement par contre il contrat de gain avec sa vine goutte et puis lui-même lui vine attaché directement et dans parlement c'est comme quoi il est détaché qu'on a tourné en base donc entre ça c'est lui-même qui t'est soufflété caméraman pacifique la France Sinéus eh ben tout dispositif est déjà prend non seulement pour traîner vous à la justice mais tout groupe journaliste qui a crédité dans parlement eh ben il va prendre décision là non seulement vous faites ce petit note là et vous pas entendre descendre dans le parlement et jusqu'à lundi selon notre là pour au moins
y a tant de décisions qui apprend par rapport avec situation ça. Eh ben journaliste non seulement il pas entendre descendre jusqu'à lundi, mais tout le dit que ça va continuer si toutefois pas gagne de décision qui prend entre le bureau de la Chambre des députés et celui du Sénat de la République. Eh ben tout temps ça va faire. Eh ben journaliste eux-mêmes, ils ont été solidaires Élisée Jean-Baptiste, toujours est-il nous capable comprendre si il y a 20 journalistes qui a décidé en bas dans volumeur, qui a gagné 5 qui pas décidé entrer dans logique là par rapport avec soit position ou bien d'autres choses. Certains, Élisée Jean-Baptiste, eh bien, journaliste eux-mêmes, pétition ça, ou bien note ça, l'idée déjà appuyée, et moi personnellement, par rapport déjà là-dedans, Romanes, rien que vous capable protester, Romanes, et, non, rapport avec comportement bourreau ça, qui était en face envers journaliste Fantinéus et d'autres journalistes. En gros, c'est Romanes, ça, allô, Romanes, là, pour capable non seulement dénoncer le comportement, mais tout distance décision que bureau apprend et il n'a pas décidé d'entendre jusqu'à lundi. Et si toutefois décision d'a passé que le salva prendre, il est capable de continuer avec silence là, si nom de capable de la caoutza. Romanes, vous parlez de 5 journalistes qui t'a décidé de passer qui voulait aller en bas. Qui est-ce que vous pas connaît? Mba vle citer comme si non, pas c'est information à bail que notre ça nous pas joindre à 100% et signature tout journaliste qui est accrédité dans le parlement. Si ça me le montrer, nous pas joindre à 100% signature tout journaliste qui est accrédité dans le parlement, mais tout gagner de journalistes qui a toujours pas décidé si elle. Mais qui donne tout Élisée Jean-Baptiste, il y a d'autres journalistes qui indignés. Oui, il y a des journalistes qui indignés par rapport à la situation ça. Et il y a des journalistes tout qui déjà écrit direction dans la nouvelle pour dire qu'ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas en sécurité dans le parlement et qui déjà demandé pour retirer dans le parlement puisque la situation est là. Le journaliste est capable de mourir à n'importe quelle Élisée Jean-Baptiste puisque Jean Bagala et bah toutes les gars amis et les gars furieux, les mauvais, les gars pas vrais ou journalistes agiés, puisque on dit que ces journalistes qui montent tête peuple là pour venir dire bouler pour l'humain, eh ben journalistes en bas, l'arrivée en bas ou entre la plume et le manteau, puisque hier moi-même j'ai eu la gamme partagée avec direction radio, pour que mon bagage qui arrivait hier en bas, c'est la gamme tête chargée, c'est pas cool pour moi, mais que le bagage mon abdi. C'est comme sous senti gon bagaille qui parle. Voilà, merci en pile. Merci en pile Romanes samedi collaborateur nous. Nous pas font petit débat sur ça parce que nous gagne Gary Bodo qui font petit parler de ça de causer là, mais n'a fin traverser. Nous pral aller fort Jacques. Bonjour Abdias. Bonjour Élisée Jean-Baptiste, bonjour Blaise Peterson, bonjour avec Nelson McKinley qui a fait manœuvre technique yo. Bonjour avec tout le monde qui a écouté Radio Mega dans le moment ça déjà bon mardi tout le monde. Nous très content. Je dis à ce mercredi, ou pas là hier parce que tu es malade Abdias. Oui, nous souhaitons vous sentir à quoi Jom Gounia. Oui Élisée, tout bagaille correct pour matin. Anali. Et tout le monde connaît chaque matin c'est devoir Radio Mega pour nous parler pour nous informer pour nous dire est-ce que on capable traverser comment la réalité même liée. Eh bien, pour ça qui a rapport avec Fojac, matin à Élisée, nous faire route de Fojac là, nous pas faire constat machine, nous pas faire constat motocyclette. Et si on a sorti dans la zone Griffin du Vieux, sorte d'onté, artiste pour venir Fojac, la demandé pour conjuguer Marel pour capable de sauter la boue parce que route là lui-même, l'irrigé bon fois exactement. Et c'est comme ça actualité à l'un mieux, mais faut me dire tout Élisée. Sous des fois j'ai nous remarqué qu'il y a un pile monde à pied matin, ça qui va régler activité personnelle. Mais moun sa retour qui était armé jusqu'au dents, je n'ai rien dit, parce que moun sa yo gen qui a gros bâton, qui a manchette dans main. C'est pas moun qui va se faire acte criminel, mais c'est plutôt si et seulement si tu as croisé avec Zephyr, tu es capable de défendre yo. Eh bien, Élisée, actuellement, nous retrouvons dans Fermat, comme actualité à lui-même lié. Eh bien, nous levons avec un Fermat, Élisée Jean-Baptiste, sans mentir, n'a pas de gros bravo pour mérite de Kempstoff à lui-même, qui passe suspendre, ramasse Fatra. Matin, nous avons fait un petit congé identifié avec Plactou.
Là nous parler avec chauffeur, il fait nous connaître que problème là, c'est un petit problème graphique qui fait mérite de 15 qu'on soit pas écrit exactement et puis tout pour plaque là c'est Kabayo. Et ce matin lui même comment il réveiller, est-ce que des machines pour le monde pas monter 15 fois, le monde pas rentrer dans artiste pour tout qu'a passer dans Thomasin la boule Pèlerin jusqu'à Pétionville ou soit motocyclette pour faire dans Glad passer jusqu'à Montagne Noire soit son comme actualité à l'hier. Comme d'où Élisée Jean-Baptiste gagne un pile bus qui a viré dans Fermat là, nous capable dit gagne motocyclette, gagne camionnette qui pour monter dans 15 coffres. Mais camionnette ça yo jusqu'à présent nous pas fait constat youn na yo qui déjà allé parce que manque passagers et pour ça qui gagne un pot avec électricité à Élisée. Faut ne fait constat ça ni sous des Jacques là, ni sous dans ni dans Fermat là Élisée. Malgré gain courant ça pas empêché nous dans station Fermat là gain en pile fait noir dans station exactement gain on l'a pas d'air mais constat nous fait chaque matin depuis 5h 5h15 environ il déjà éteint ça veut dire chaque 5h Fermat là il déjà dans fait noir pour route de Fort-Jacques là d'aide au Saint-Jacques là ou bien capable de Fort-Jacques 1 et 2 et zone ça lui-même malgré gain courant qui toujours dans fait noir et c'est une zone dès nous levé devant commissariat de Fort-Jacques nous toujours joindre monde qui peut passer route ça parce que dit c'est un lieu ZFI n'a demandé avec autorité parce que nous connaissons Radio Mega lui-même c'est radio information c'est gros tonton radio à toute autorité entendez fait une intervention pressée pour mettre dans la station Fermat là et puis pour route de Fort-Jacques là pour ça qui gagne Garibodo dénonce attaque qui fait sous palma haïtien dans la nuit dimanche pour l'ouvrir lundi 20 août 2018 là parlementaire qui dit l'attendre rapport police scientifique qui a enquêté sous dossier ça fait qu'on est déjà en pour parler à président Sénat soit agression physique qui fait sous journaliste n'a pas le mal annoncé une décision absurde sur dossier ça dans 3 jours. Qu'avez-vous là? Député Garibodo dans le micro, Romanet samedi. Hier, vers 4h du matin, selon l'information que nous avons, il y a un incident qui passait dans la chambre des députés. Nous-mêmes, nous avons les conclusions de l'enquête qui a été menée par la justice de concert avec la police nationale. Donc, au moment opportun, nous avons toutes les conclusions. Nous avons en mesure pour nous et faire des déclarations et conclure. Information, ça, nous avons la police, encore une fois, et non pas des enquêteurs. Donc, au point bon attitude ici, tout le monde c'est toutiste, tout le monde compte tout bagaille. Donc nous-mêmes nous pas compte tout bagaille, nous pensons la DCPJ et direction nationale et police judiciaire là, police scientifique là tout qui sont unités dans la police nationale là, parce qu'il y a travail ensemble avec le commissaire gouvernement et au moment opportun n'a gagné les conclusions de l'enquête. C'est à ce moment que nous pas capable de parler à la presse pour nous dire ça qui passe là, si son bagaille externe, si son bagaille interne. Donc toutes les pistes sont en train d'être analysées. Nous c'est des monde cap pour liberté de la presse, pour la presse fait travailler dans de bonnes conditions. Donc le parlement haïtien pas supporter aucun comportement et qui pas digne et de nous. Les nous dit nous pas seulement ouais députés, sénateurs au niveau du parlement. Donc employés autour cap travail là, yo c'est des composantes même de chambre députée ou bien de sénat. Donc dossier ça son dossier nous prend à cœur et déjà nous étions pour parler avec le président Sénat. Donc, je pense que des dispositions scellées qui vont le prendre dans les prochaines 72 heures. Alors, je vais parler de mesures scellées dans le cas journaliste qui ont attaqué. Vous savez, ça me dit qu'ils ont attaqué, même si nous tous journalistes nous sommes témoins. Mais nous-mêmes, il faut nous mettre nous au-dessus. Donc, il y a des images qui sont disponibles. Et donc, je pense au niveau bureau Sénat, bureau chambre députée, nous avons gardé ça parce que la presse, c'est un partenaire privilégié pour la chambre des députés. Donc, en ce qui a trait à ça qui passe, Jamdoula, c'est la police qui travaille avec la justice au moment opportun. Les urbains résultats de l'enquête là, n'a pas divulgué, n'a pas communiqué à la presse. Voilà, vous avez écouté l'explication, président chambre député Garibodo, monsieur lui-même, a annoncé et initiative que vous pouvez prendre au niveau chambre qui est plus bas. Mais vous avez dit ça tout et Blaise, il y a une autre protestation, journaliste qui a accrédité en bas dans le parlement, vous mettez de vous, n'a pas notre ça pour les amis auditeurs Radio Megayo. Nous même journalistes qui signent notre ça, nous condamnons avec toute force nous, Zaksa qui fait à côté agent sécurité parlement, contre deux
nan konfrè nou yo côté yo soufflété bien soufflété youn la dan yo et puis yo brisé caméra du travail l'autre là alors que même yo t'ap exercé profession yo zak sa ki pote atteinte ak profession journaliste là li pa acceptable du tout c'est un zak barbare antidémocratique et li même ki malsain tout li vini en dan même parlement espace ki censé un espace yo di ki démocratie a fait la dan agent sécurité ça ou même menacé pour capable touyer journaliste yo accusé comme quoi c'est eux même qui a pas soulevé population contre eux même dans parlement menace ça yo même yo seulement nuit à la sérénité stabilité à l'esprit tolérance côté journaliste au besoin pour capable exercer profession yo comme ça doit dans parlement peut-être ça nous même journaliste yo nous décider pour nous camper pendant 2 jours pour nous capable couvrir toute activité qu'a fait dans parlement jusqu'à ce que gagne mesure qui prend pour assurer sécurité nous dans parlement décision ça li prend effet automatiquement notre sali même li mette de yo nous a préserver le droit tout pour nous capabilité observer en suspension après 2 jours si toutefois autorité dans parlement ou même yo pas prend mesure pour empêcher un tel acte li même ni reproduit mesure ça lui-même, il paraît indispensable pour capable préserver intégrité physique et morale nous-mêmes. Mais qui est-ce qui s'y est? Samuel Céline, RFM, Nouvelis, Luni Joseph, Zénith, Jean-Robert Delciné, Galaxy, Jean-François Boukman, Luxon Saint-Ville Métropole, Ronald Louis Jeune Scoop, France Cineus Pacifique, Gagné Juno Jean-Baptiste Magique 9, le Nouvelis, Edlaine Vernal Pacifique, Gagné tout Jean-Paul Ibo, Radio Ibo, et Gagné Romane Samedi pour Radio Mega, Gagné France Fidèle pour Radio Télé, Bombay qui était non lié là, m'a pas connu quoi de Il y a un différent fidèle là. Il y a un différent Ibo. Moi, on était télé. Bon, on va à Orlando comme ça. Pour Ibo, on était dans des pièces. Exactement. Et puis pour un challenge magazine, c'est Timothy Jackson. Ah, ils sont minorité oui là qui signe en bas pour nek qui en bas dans parlement journaliste. Moi gain 13 qui signe même parce que gain plus que 13 journalistes. Oui, comment est-ce que ça allait? Peut-être que pas qui t'a posé question. T'a posé question demandé qui ça confrère journaliste l'autre expliquer qui fait que dire pas signe eux même. Exactement, pas signe parce que gon paquet là oui qui pas signe là. Que oui qui des habitudes là bon ba donner nos idées là. Gon par exemple gain on nous cache quelques radio, quelques journalistes, quelques médias nous connaît qui en bas. Mba ouais gain nek vision 2000 qui signe là journaliste en bas et Caraïbes mba pour Caraïbes tout qui signe en bas est-ce que gagne pour Guinée là mba wè nèg ki pou Guinée pa gagne pour Guinée et pa gagne pour Guinée ki donc nèg a pris la fait pas vous comprennent et ça qui passé là oui on zak konsa la mba wè comment un journaliste capable pas montrer li solidaire avec l'autre journaliste là parce que mba wè comme si on nèg qui journaliste pour pas entrer dans mouvement ça et moi nèg yo prendre pendant quelques jours parce que moi-même personnellement c'est tout reste année nèg yo de prendre pour pas couvrir aucune activité dans parlement parce que l'on agent sécurité décide souffler té oui vous comprenez un journaliste un agent sécurité dans parlement qui donc ne quatre travail c'est en dans parlement même yon espace dit qu'il là pour capable faire promotion démocratie là et député sénateur toujours dit ça là et en pile moun k'ap mandé pour capable craser parlement son série de moun qui pas gain rien pour avec démocratie parce que c'est un espace qui lui même permet la démocratie à bouger dans le pays et puis c'est en dans même espace ça journaliste qui fait travail il pas respecté vous comprendre et moi pense que nous même comme journaliste pouvoir pas nous li menacer là si nèg yo pas tracé un exemple sur ça qui passe là dans parlement me garantis là journaliste yo j'ai au traité nous on il a toujours traité nous même gens et même plus mal parce que ça et moi pense que gagne un travail tout qu'a fait gens que yo t'a fait quoi ça dans parlement comme si la presse nous même n'a comme si n'a font travail de cerveau pour population qui pas du tout ça. Pas du tout ça. Mais eux-mêmes tout faut pas faire ça, tout faut pas comme si montrer que la presse tout lui-même a fond pour craser. Il pas dit nous pas faire ça. Nous même dans mission nous pas pour faire ça. Dans mission nous pas ça comme journaliste. Ça veut dire c'est que j'en ai dit avant hier si des bagages que des journalistes qui en bas eux-mêmes constater, yo dit c'est des constats qu'ils ont fait, bah qui ça la presse lui-même inventé. Frère, l'éclair que conseil de mesdames, monsieur dame dans parlement, c'est ouais ça le calé. Ça veut dire il y a le parlement, il y a chita il fait journée en bas ou pas faire rien moi toujours prend exemple moi tal nan au ministère pendant me rentrer en dans ministère là et puis mal des services c'était qu'à 10h comme ça le matin secrétaire là dame moi jeune devant sous
yo à 10h du matin, me voyer j'aime comme ça et puis le téléphone dans mail, moi photo tout ni la voyer photo sur WhatsApp ba au monde. À 10h me camper et c'est l'heure web me gain contrôle ça la voyer message la voyer et puis ouais la demander m'excuse, laisse elle venir connaître son journaliste qui devant là, la caresser me connait pour me pas ba information. Bon que bel mamba, il non comprendre. Exactement. Non, me pas dit qui ministère, me pas cité non, même ba li. Ça veut dire pour montrer conseil de boîte l'état, c'est ça mesdames vous faire oui. Pourquoi j'aime aller dans boîte l'état des services mesdames vous c'est radiable venant dedans au soir vous venez avec toute bagaille pour vous faire zongle clair oui conseil de jeunes qui veulent travailler qui sous travaillent quatre travail oui moi même j'ai plusieurs ministères moi dis mal là dedans yo mesdames yo c'est zin à bouilli comment t'élever comment ménage intérieur c'est ça on parle seulement là dedans je dis là si un journaliste qui prend initiative pour le faire un reportage pour le monter dossier là pas gagne monde qui a soulevé colère monde contre eux même l'île que pour nèg yo c'est pas sous base zami taille puis on mettait monde dans ministère c'est compétence donc c'est compétence voilà en tout cas nous dénoncer ça et bravo avec journaliste qui signe notre ça là faut que nèg yo bay un exemple faut que tracer un exemple faut que nèg yo boycotter toute activité qu'a fait dans parlement et il clair que c'est pas seulement parlement mais faut corporation lui même tout comme si yo engagé exactement voilà. Pour que yo pas fini avec secteur ça Jean que ça fait dans en tout cas Blaise Garibodo t'es parlé sur question PM dans tout effectivement Élisée Jean-Baptiste président chambre des députés à Garibodo annoncé pas annoncé encore parce que ça a déjà fait là a été annoncé hier commission cap pour analyser pièce premier ministre nommé à notre Jarisseyan, t'es dû former, mais effectivement le former ailleurs. Eh bien, il faut nous dire que la commission ça lui-même, il gagne là-dedans 9 membres, j'en suis cité d'aller parmi les députés ça y est, et gagne directeur Dieu, gagne Garda Benjamin Alexandre, gagne député Francis Delacruz. Mais la commission ça lui-même, parce que pour le remettre travail lié avant longtemps, par Biroa, pour qu'on faire suite nécessaire. Eh bien, côté député Garibodo lui-même ailleurs, avant même formation commission ça, t'es fait hier soir, m'a dit. Premier ministre nommé a déposé dossier dans deux branches parlement au niveau chambre député a et nous des dossiers c'est pratiquement des copies certifiées pour prendre premier ministre nommé agent Jean-Ricéen son notaire lié donc notaire au fond en papier donc au niveau chambre député a nous va former commission qui pour étudier pièce premier ministre conformément à la configuration politique de l'Assemblée donc j'ai noté dit avant même que ministre vienne là faut que exécutif là vérifier si ministre yo gagné et toute pièce donc 48 heures à l'avance n'a gagné pour nous communiquer nous tout document pour nous voir si yo conforme à la constitution donc faut nous pas dire que n'a étudier pièce donc tu gagne 4 étapes dans l'application au premier ministre non constitution amendée ça qui là donc étape étudier pièce quand on premier ministre qu'a tombé par exemple si le bon document va gagner donc étape ça constitution retirée monsieur Jean-Ricéen c'est un ancien candidat à la présidence quand même il y a des passeports et des documents additionnels dans le parlement nous demander au soumettre nous peut-être nous cap garder sous nationalité n'a garder sous quelques autres paramètres donc commission va le travail donc le bureau va travailler dans place commission la commission a formé après-midi à même et ou bien demain pour nous garder conformément à la configuration politique de l'Assemblée pour que nous commencer rentrer d'emblée dans processus là pour avancer dans ratification déclaration politique générale premier ministre et Jean-Ricéen premier ministre nommé. Bon, m'pa kwè ça, non, m'pa se chaque branche dans le parlement, yo indépendant, yo autonome, yo travaille de manière séparée. Donc, ça arrive au web, une commission qui forme dans le Sénat, et puis chambre députée, il recevra premier ministre en avant. Donc, pas rien qui empêche Sénat, qui sont institutions qui grand monde tête li, travail, même gens, nous-mêmes, bon côté pas nous tous, n'a pas travail, mais c'est même travail là, on aboutit à ratification ou non, premier ministre nommé à Jean-Ricéen. En tout cas, on t'a écouté comment le président chambre député Garibodo il t'a parlé de commission Sila. Et puis faut que nous dit tout élu dans chambre Baslan, il finalement metté d'accord sur formation comité spécial ça. T'as que Jean président t'a annoncé là qui doit analyser pièce sa premier ministre nommé Jean-Henri Seyan et cabinet ministériel li conformément à prescrit constitution 87 amendé. En effet, après une séance travail qui fait hier, représentant monsieur en bas, yo possédé nan mete sous pied commission ça en pile moun tapton li gen au total 9 membres parmi yo gen on grain femme la dans non moun sa yo ki composé commission ça c'est Gerda Benjamin Alexandre Jerry Tardieu Alfredo Antoine Jean Wilson Hippolyte nous rappelons monsieur ça qui dit même té prend tribunal pour le demander PM nan pour cas on quitté ça Francis Delacruz Benoît Laguerre Jude Destiné Noël Saint-Baudelaire et puis Jacques
attaque guerrier. Yo doit remettre rapport yo ak bureau chambre député ya nan yon temps qui pas trop long pour capable wè est-ce que yo va recevoir premier ministre nommeyan M. Jean-Henri Seyan pour capable présenter énoncé politique générale. N'a toujours été non ça qui vient pour avec dossier PM nommé à noté Jean-Henri Seyan document qui vient là-dedans diverses recommandations groupe 16 député au préal fait avec premier ministre nommé à noté Jean-Henri Seyan sous formation cabinet avec mission gouvernement ça déjà paré un document qui t'a arrivé jeune PM là officiellement d'ici semaine ça d'après député Abel Descollines député Mibale a rappelé dans cadre en compte G16 là t'a gain avec premier ministre nommé Jean-Henri Seyan a fait quoi président Jovenel Moïse ak équipe PHTK voté pour ta kembe divers anciens ministres nan posyo on koute député Abel Descollines qui t'a répondre question collaborateur nous Salomon Sedmé. Bon, son document qui déjà est préparé, hein, et document li potko remettre officiellement, pour qui ça le potko remettre officiellement, évidemment, nous et proposez-nous pour que nous communiquer avec la population haïtienne à travers les médias et position ça, mais étant donné que il était convenu pour nous gagner de l'autre rencontre avec les premier ministre Jean-Henri Seyan. Donc, nous avons réfléchi au niveau au plan. Est-ce que nous devons d'abord donner une nouvelle rencontre pour que nous soumettions les documents ça et ensuite informer et la presse et nous avons réfléchi d'un moment à d'autre et nous sommes capables de décider officialiser documents ça. Par exemple, il y a un point et parmi Samzou déjà nous t'ai évoqué c'est formation cabinet ministériel. Nous-mêmes nous croyons que formation prochain gouvernement est pas capable by aspect, c'est comme si c'est juste un remaniement, hein, et un remaniement avec un nouveau premier ministre, dans le sens que pour y'a retourné avec un paquet de ministres encore et dans l'ancien gouvernement. Donc, premier ministre était bien des difficultés pour le, en toute honnêteté pour répondre à question ça, parce que quelque part, les reconnaître qu'il y a une certaine velléité du côté de la présidence, et du côté peut-être de PHTK et de l'autre groupe parlementaire et pour Yota et maintenu une série de ministres dans l'ancien gouvernement nous dit nous pas capable tout accepter que cabinet nouveau cabinet ministériel là c'est pour le bail aspect un remaniement gouvernemental avec un nouveau premier ministre c'est comme si on pourrait gagner encore plus fort ministre qui était là dans l'ancien gouvernement. N'a pas réservé la cadre séance-là pour que nous faire ressortir et tout ça nous fait ressortir et donne réponse directement. Voilà de notre côté député Abel Descollines qui c'est un membre groupe 16 député même qui est vraiment hostile avec pour le gouvernement avec président Jovenel Moïse qui parlait de documents qui pour remettre avec premier ministre Nomea Gabriel Adan dit même diverses conditions que il pas eu. Ensemble, organisation, pour nous dire, il y a diverses organisations politiques qui proches opposition, tant coup, Rasso, Movid, AAPA, condamné comportement certains parlementaires, il dit qu'il a cherché à éliminer certains ministères, parmi eux, ministère Femme et Droits Femmes, il dit qu'il a été société, selon représentant ensemble, organisation Sayo, pour parole Rasso, Luma Ulrich, critiqué parlementaire, il dit qu'il a géré un paquet l'argent, sans pas utile vraiment population, non, capable d'une façon bien l'autre. Dans ça, nous allons inviter nos côtés Luma Ulrich qui était dans le micro, Jean-Philippe Massé. Après événement 6, 7, 8 juillet passé, nous te quoi, messieurs, dames, bon la mer, tu as pris conscience de l'État. Il y a 16 députés minoritaires, c'est avec gros qui est cassé, nous avons demandé pour éliminer le ministère conditions féminines et droits femmes pour qu'il joue un boulevard. Pour qu'à faire tisonnaille, asseler, abuser, pour yo pi bien, les nous garder, c'est même monsieur Sayo qu'a fait un seul avec 5% oligarchie qui gagne richesse pays à nan meyo. Nous dit,
qui mérite réduit dans tête yo dans budget 2018-2019 là qui évalué à 116,28 milliards de goudes. Condition féminine gagne 213 millions de goudes. Pouvoir législatif là gagne dans meli 6,50 milliards de goudes qui évalué à 3,7%. Qui ça messieurs dames ça va faire pour gagner tout comme ça dans main yo. Yo pas investi dans rien et bien même qui gagne comme ça dans main yo. Tandis que qui conseil des mesdames qui gagne 3-4 timous sous bois yo, pas pas abandonné. Yo pas gagne corps pour aider yo. Et bien je dis à nous c'est parlementaire yo, avec la présidence et la primature qui gagne plus corps dans année fiscale 2018-2019 là. Nous même nous condamner. Gagne pile non mesdames qui prend position déjà dans le pays a pour nous pas tourner dans période avant 2026 là encore. Tant coup Liliane Pierre-Paul, tant coup madame Jocelyne Lasseg, Majorie Michel, Etta Pascal Trouillot, madame Lesice Okmaniga. Voilà, et en tout cas, c'est Luma Ulrich qui lui-même t'a apporté explication. En nous prédiction la cul du Nord, gagnon SOS, nous apprend une situation en ta antigen dégénéré là. Nous avons avec nous un auditeur qui c'est Junior. Junior, ou en direction antenne Radio Mega, dis-nous qui sa information en yeux. Gagne un pile monde qui ou même peut-être a sorti la cul du Nord pour entrer dans la capitale aujourd'hui là et gagne monde qui a fait sens invest là tout. Qui sa cap développer aujourd'hui là, dans moment n'a parlé là. Il y a un problème de sécurité parce que c'est un égine pour 6 mois là, il n'y a pas de payer. Après, si on a là, on a décidé eux-mêmes parce que l'école ouverte, on a décidé de bloquer dans le pays, il n'y a pas de toucher, on a décidé qu'on a là pour bloquer route. Pour bloquer route, là, on a là, il y a un bis qui a sorti pour des pays, qui a porté pour des qui arrive là, qui le développe à CNA même, qui n'est pas capable de passer, il y a un monde là, qui a une urgence. Pour des pays, c'est pas capable de passer, car on a boulé actuellement là, et route là, barré. Junior, même la police, même qu'elle avait arrivé à pied à privé. Oui, Junior, on allait. Nous pas trop pressé, nous pour aller doucement, Junior, pour qu'a bien comprendre information. Ou dis-nous, la cul du Nord, il bloqué Kounia là. Ça veut dire, on moun kap sorti dans l'autre zone pour entrer là, yo pas capable à cul du Nord. Yo capable même. Et vidéo, la première vidéo pour Kounia là pendant caoutchoua boulé pendant bis bloqué pendant tout monde campé dans pour Kounia. Moun sa yo kap boulé caoutchoua, c'est qui est sur et qui principal revendication moun sa yo. Principal revendication moun yo c'est toucher, besoin toucher. Que pour ministre public là pour le faire tout moyen possible pour le payer moun yo aujourd'hui mais demain si Dieu veut passer. Parce que mon fin de travail, je ne vais pas me gâter. Vous parlez, ça passe devant CNE, à qui l'autre bon, à qui là. Est-ce que c'est employé CNE qui a fait ça? Est-ce que c'est mon nom zone directement qui a fait mouvement ça? C'est mon nom qui s'est allé, qui a paquet mois, tout pour me toucher. Il y a 5 mois, il y a 6 mois, il y a 17 mois. Nous ne vais pas me toucher. Et il y a un employé tout dans CNE, tout, qui a n'importe 6 mois, tout pour me toucher. Tout. Mais pour que ça c'est exactement ces routes là nous décider pour nous capable bloquer ou faire qu'on ait tout gain du feu caoutchouc à bouler là pour que ça c'est mouvement ça que nous fait matin là. C'est yo parler trop mon plein trop yo toujours parler avec ministre Elvini mais ça va me faire pour yo pour là l'école pour l'ouvrir et l'école président l'école pour les toits. Voilà. Mais merci un peu le Radio Mega, merci. Ok, merci, d'accord, Samuel. Voilà. Et nous avons Akul du Nord qui donc, ou Akul là qui est bien bloqué là, dans le niveau CNE. Eh bien, machine pas montée, il n'y a pas descendu tout parce que monsieur même il a demandé COB et mouvement ça fait devant bureau CNE d'après information. Nous avons une information en titre, ligne aérienne American Airlines annoncé mardi en décision pour mettre un bout à vol qui relie aéroport international Toussaint Louverture Port-au-Prince-Lan à aéroport international.
National John Kennedy New York JFK et Fort Lauderdale. C'est ça yon article Miami Herald rapporté. Décision ça li réduit de 6 à 4 quantité vol chaque jour American Airlines à destination Haïti qui était parti là tout aéroport international Miami yo côté pral gen yon vol quotidien vers Cap Haïtien deuxième ville pays a nouvelle la tombé ayer tankou yon bombe en pile moun pas capable comprendre information en tout cas nan cadre yon évaluation qui réalisé grand matin ayer a nous té informé membre équipe nous décision difficile pour mettre yon bout ak vol qui relié American aéroport international Toussaint Louverture Port-au-Prince là ak New York JFK et Fort Lauderdale modification ça qui est pour l'entrée en vigueur à partir 3 novembre cap venir là c'est ça n'capable dans une note qui émané là de transporteurs aériens ça qui basé aux États-Unis qui a circulé à tour de bras sur réseaux sociaux et que yon responsable compagnie en Haïti que yon parle avec li dans téléphone lui-même li fait connaître tout bon vrai ça noya c'est ça pas gain faux information la donne ainsi à partir 3 novembre cap venir là passagers cap voyager sous American yo yon pas capable encore voler directement dans aéroport capital haïtienne nan vers aéroport Fort Lauderdale Hollywood et John Fitz Kennedy en New York cependant American nan l'a continuer opérer 3 vols chaque jour qui pral relier Port-au-Prince ak Miami côté yo pral offrir liaison vers 140 destinations nan monde lan en outre nous pral continuer tout desservi cap haïtien avec yon vol chaque jour depuis hub nous nan Miami véritable plaque tournante pour opération American vers Amérique latine nan et Caraïbes là et qui fournit 62 connexions pour vol yo qui sorti Haïti c'est une décision qui dure en pile mais nécessaire compte tenu de circonstances économiques et spécialement yon environnement côté l'argent gaz là li élevé en pile toujours d'après notre lan yon source qui parlait li pas vle non cité li expliquer American li pas faute sur route New York là que JetBlue qui li même possédait yon hub nan aéroport international JFK tout comme Delta Airlines à Atlanta American li pas capable faire autant de connexion à JFK que JetBlue et Delta contrairement à Miami côté lui-même li joine Hubli c'est ça yon source dit à Nouvelis fin connaisseur dans domaine nan li fait connaître tout au passage que quantité l'argent gaz là li piche en Haïti que en République Dominicaine que Jamaïque tout à cause de une situation de monopole qui a servi actuellement nan aéroport international Toussaint Louverture là et faut que nous dit tout en quantité carburéacteur en République Dominicaine nan li public alors que en Haïti si yon moun pa en ligne aérienne li impossible pou le connaître c'est ça sous la déplorer côté le souligner tout que ligne aérienne qui a opéré vol yo à long courrier comme Port-au-Prince New York ou Port-au-Prince Atlanta yo pa gen choix et yo doit faire le plein à Toussaint Louverture toutefois quantité gaz la li même li pas bon en effet différentes compagnies aérien yo confronté là à une augmentation de quantité carburéacteur et bénéfice dans lui-même li a augmenté grandement facture carburant transportant li augmenté plus rapidement que demande siège yo c'est ça yon site lui-même li te bail comme information au total d'après CNBC li informé que American éliminé 11 routes internationales qui inclut également vol entre aéroport international John Kennedy, New York et Irlande et Haïti tout, mais tout Philadelphie et Francfort à Munich. Qui donc, mesure ça n'est pas seulement concerné Haïti. Peter Vittori, directeur général vente américaine pour Floride, Caraïbes et Amérique latine, monsieur déclaré dans Miami Herald que vol yo annulé, yo pas pral affecté personnel compagnie aérienne en Haïti, réduction service sous marché yo que nous a desservi depuis plusieurs années, c'est un décision difficile. Malheureusement, nous devons prendre décision ça pendant nous permettre nous assurer intégrité financière à long terme de entreprise nous. C'est ça American Airlines conclut dans notre ça toujours. Wood Fort Lauderdale Hollywood là, il était inauguré en 2014, même année côté American Airlines était lancé vol direct Miami Cap Haïtien, il actuellement là trois lignes aériennes qui a opéré déjà sous Fort Lauderdale, toujours d'après ça sous la fait nouvelle disconnait en général
mal lorsque gen trop opérateurs sur une route li vin moins profitable toujours d'après ça il fait qu'on est par ailleurs Caribbean Journal informé que Delta Airline li prévoit lui-même un nouveau vol hebdomadaire sans escale entre Port-au-Prince et New York qui opéré samedi et qui pral lancer à partir 22 décembre qui vini là réservation sous pour vol ça yo déjà lancé toujours d'après ça Delta lui-même li dit et Caribbean Journal confirmé ça avec retrait américain nan Delta pral emmener là un minimum concurrence sous New York et il pral disputer marché avec JetBlue à aucun moment sous cela toujours li pat kwè que annulation vol américain nan li pral gen un impact sou prix billet yo voilà information an, nouvelle là li confirmé American Airlines qui pral suspendre vol li yo de Port-au-Prince à New York Port-au-Prince Fort Lauderdale ou sou antenne radio pour la radio Mega on nous font ti campé voilà nous parti pour deuxième mi-temps journal créole Mega matin merci en pile pour patience intérêt et fidélité dans journal ça nous très content malgré tout réseau radio Mega mais pas empêcher plusieurs autres médias toujours connectés nous Radio Power dans Wanamet merci en pile Badagwel merci en pile à Radio Panique dans Mirbalet Junior Panique Némi Joseph Radio Fresli FM dans Cacavaral Radio Préférence dans Tigouave mais tout Radio Magorizon dans Sodo toute radio ça au même yo toujours relayé Radio Mega information qui concerne haïtien yo qui a vivent Bahamas gouvernement li pral détruit on sait de tikay haïtien gagnen nan kek bidonville nan pays sa situation paraît antijan triste gouvernement Bahamas la annoncé yon opération pour capable détruit bidonville côté gen plusieurs migrants haïtiens qui a vivent en même temps y a cherché pour mettre en œuvre politique réforme migration c'est ça réseau nord-ouest li ba jodi a la éliciter plusieurs sources Premier ministre Hubert Minis, dans le cadre d'un service religieux dimanche, qui a commémoré 26e anniversaire victoire électorale Mouvement National Libre FNM en 92, il rappelait discussion avec Ligue Haïtien sous objectif qui s'est amélioré vite tout le monde qui au même touché par action ça. Ministre a déclaré que gouvernement l'a attaché à justice sociale. Il rappelait à pasteur que nous devons vivre Bahamas en tant que peuple avec valeurs qui partageait et un engagement pour un avenir qui plus bon que tout citoyen et résident Bahamas yo même yo vivent bien pour permettre pas gain existence aucun bidonville pour premier ministre là compte tenu de problèmes sociaux qui souvent rencontrés dans zone ça yo li impératif pour pays a li engager dans réforme immigration et éliminer bidonville yo un problème longue date gouvernement lui-même yo a fait face chaque jour mon Dieu mété L'année passée, administration Nantes a mis en place un important groupe de travail pour intégration planifiée habitants dans la région Sayo et pour contribuer à améliorer la qualité de vie résident. Nous prenons soin pour nous traiter question ça d'une façon qui est bonne, prudente et pour nous capable de faire avec compassion. C'est ça le déclarer tout. Il a ajouté que nous devons également veiller à ce que toute bagaille est bien faite pour nous capable de jouer une résidence permanente. Côté citoyen, nous pouvons être capable de vivre libre et libre. Nous avons rappelé tout. Gagnon injonction qui baille par un juge dans cour suprême nan dans commencement mois ça même et empêcher gouvernement démolir bidonville dans New Providence là qui donc dans Bahamas là haïtien pral non situation difficile parce que gouvernement li pral détruit plusieurs tikaye qui gagnent côté haïtien même y a vivre dans Bahamas qui fait un pile bidonville N'a quitté pays Bahamas pour nous venir la canon en Haïti. Sujet ça qui est actualité à depuis plusieurs jours, même j'ai avec dossier PM nommé à, mais c'est dossier Petro Caribea. Depuis environ une semaine, réseau social envahi avec un slogan côté l'agent Petro Caribea. Un mouvement qui joue un si pour empile monde dans différents secteurs par boycite, qui a demandé pour l'y mettre fête sous gaspillage l'agent Petro Caribea. En suivant papier spécial avec collaborateur nous, Jean-Philippe Masséan, sous dossier ça. Côté l'agent Petro Caribea, c'est grande question ça qui est à la mode sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Facebook, Twitter
et même Instagram Timon Kougamoun a posté à qui yon carton en main qui écrit côté l'agent Petro Caribéa. C'est Gilbert Mirambeau qui lance hashtag ça sur réseau social yo fin semaine qui saute passé a et puis rappeur haïtien Kalib popularisé depuis les ça artiste écrivain étudiant toute qualité personnalité rentré dans challenge ça n'a pas rappelé qui vini après Tidio Zenit lancé un autre challenge contre drogue ça qui t'est provoqué yon débat sur net là entre chanteur créole là ak ancien rappeur mystique là Kalib qui estimé Petro challenge là capable pitil société a causé ça presque divisé artiste haïtien yo. Si c'était là dedans embrassé challenge Petroa comme ça gain l'autre qui parle l'en bonjé. Est-ce que c'est à cause appartenance politique yo nous pas connaît mais ça qui certain depuis longtemps si tout en Haïti certains musiciens et même quelques jazz qu'on marie sociaux à pouvoir politique yo sous terrain politique là challenge Petro ça pas sans impact cette voix dans secteur démocratique là quoi même Jean à Kalib succès challenge ça chita sur un réveil conscience nationale dans mitan population hein. Et c'est pas pour sans raison li venir quelques semaines après événement 67 à 8 juillet sénateur Patrice Dumont dans dernier post li sur page Facebook li mandé population kembe campagne Petro challenge là yon campagne qui doit continuer à toute force ça qui pral bay 4 avantages parmi yo n'a remonté prestige nous n'a fait un groupe analyte contre corruption l'argent n'a reprendre nan main volo yo a yon remède pour économie pays nous hein d'après sénateur l'ouest là qui s'a caché derrière succès mouvement ça sur réseaux sociaux yo quelques observateurs cap tenté analyser dossier a rete quoi c'est mépris autorité nous yo sur dossier Petro Caribéa qui soulevé colère un bon parti dans la population qui décide de réagir dans façon pareille pour exprimer ras-le-bol. N'a souligné gain des rapports qui déjà sorti dans le Sénat sous dossier Petro Caribéa qui longe droit sur yon quinzaine d'anciens gros potentats dans pays qui t'a gaspillé l'argent. Sénat République là dans un séance Champrel te mené dossier à coup de compte pendant opposition te râlé le souterrain la justice qui lui-même a traîné pied avec dossier. Nan moment n'a parlé là Petro challenge là continue à valer terrain sur réseaux sociaux yo côté initiateur yo pou kounya a chercher moyen pour acheter maillot mettez bandoule dans tout coin dans pays a. Est-ce que mouvement ça a privé fait lumière sous dossier ça tout bon vrai l'en connaît gros succès mouvement ça habitué bay dans quelques pays. L'en considérer tout youn nan gauche abra qui indexé dans rapport Petro Caribéa qui te fait silence longtemps dans pays a gétant réagi pour la vemel dans dossier a côté le fait connaît li même tout l'a tande lumière fait. Finalement, côté l'agent Petro Caribéa passé. Diab qui prend ou bien Aoussa qui ralil. Jean Blague ou remendil là. Jean-Philippe Masséan, Radio Mega. Merci en pile Jean-Philippe Masséan. Question Petro et challenge Petro Caribéa et Blaise qui a fait chemin comme ça doit comprendre. Moi Philippe Brand c'est nèg yo di comme la nomé wa c'est eux même qui l'entré tout dans challenge là. Oui. Non, appelle monde connaît. Ouais, appelle monde connaît qui est comme là. Il est clé mes amis. Comme là pas même pas dans Molié. Dans Molié Blaise. Pour pas dans mais nous tout monde connaît qui est lié moi même gros gros chabac là comme mais ni moi monsieur qui cartol là même qui a demandé vous voyez côté l'argent Petro Caribéa. En tout cas n'a pour continuer avec chapitre ça mais faut que nous dit avant tout gain Radio TV pas nous tout qui relie nous dans Washington dans Washington et gain tout responsable radio ça qui fait qu'on est là gain un monde qui a utilisé compte Denis Régis. Qu'est-ce que Denis Régis là c'est une autorité monsieur Denis Régis pas rappeler mais monsieur qu'on est gain un monde qui a utilisé compte Denis Régis et qui a demandé cob sur nom Denis Régis. Alors ce que c'est pas vraiment Denis Régis lié, c'est ça responsable Radio TV Panouan depuis Washington, pasteur Donald Saint-Aubin, li fait qu'on est. En tout cas, réseau pléyan ak avocat qui nan dossier Petro Caribéo confirmé, yo voye yon requête by président Venezuela Nicolas Maduro ak vice-président 16 d'août passé ya, yon initiative yo prend pour empêcher Venezuela rebay autorité haïtienne yo l'argent encore avant lumière faite sur gaspillage l'argent ça d'après Marc-Antoine Maisonneuve. En coûte explication dans micro Jean-Philippe Masséan. 16 août 2018, l'en dérivé dans l'ambassade Venezuela pour nous aller déposer requête là. Nous t'a adressé par autorité vénézuélienne yo, gagne un staff moun dans l'ambassade Venezuela qui te recevoir nous à bras ouverts. Yo apprécié considérablement
démarche là et yo ban toutes les garanties possibles et imaginables que requête là a privé rapidement la même autorité vénézuélienne parce que pas oublier tout récemment là le 11 juillet 2018 là té gagné ministre haïtien des affaires étrangères qui était allé Caracas là rencontrer homologue li après rencontre là après parole ministre haïtien bay yo té entendu yo que yo pral procéder à la réactivation du comité binational pour que Venezuela continue à verser l'autre l'argent l'autre front bavon les sa yo nous-mêmes qui te pensait que qu'il s'agit d'une injustice d'une irrationalité d'une méchanceté et que peuple haïtien pendant qu'elle pas quand même payer les fonds pétro-caribé que ancien dignitaire ancien voleur déjà dilapidé nous te trouver l'injuste pour que Venezuela continue à bailler l'autre front que nous-mêmes, nous commençons à payer, nous avons continué à payer et que petit nous a continué à payer. Nous avons trouvé le juste, le rationnel pour nous adresser la requête à l'autorité vénézuélienne pour nous dire, tant pis papa, pour le moment, pas qu'on baille l'agent pétro-caribé encore parce que question pendante par devant la justice, parce que lumière faite sous question, pétro-caribé, malgré nous connaît que Jovenel Moïse campe en quoi pour que le procès n'ait pas réalisé, nous disons camper jusqu'à ce que finalement la justice se prononce sur la dilapidation des fonds pétro-caribé déjà fournis à pays d'Haïti. Voilà ce côté, Maître Marc-Antoine Maisonneuvre. Réseau Pléan yo tout dénoncé, traîné pied au dit qui gagne beaucoup d'autorités judiciaires dans le cadre de dossier. Ça, un avocat yo Maître Marc-Antoine Maisonneuvre annoncé au pral voyer yon requête bajis cap mené de CA. Ramon site aximé pour forcer le métier interdiction des packs contre tout le monde qui t'a gagné dans le rapport Petro-Caribéa. Maître Marc-Antoine Maisonneuvre, toujours dans le micro, Jean-Philippe Massé. Je nous connais l'an depuis l'an mois de février, depuis approximativement 5-6 mois, le dossier Petro-Caribé est arrivé par devant la justice. La justice haïtienne déjà reconnaît que le compétent, nous connaît que Paul Pierre, qui était premier juge, instructeur, qui était désigné dans le cadre du dossier Petro-Caribé, lui prend des décisions, lui prend des actes, lui adresse des ordonnances qui montraient clairement que lui compétent, que la justice haïtienne est compétente dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Bon, malheureusement, nous t'aurons par la suite, par les nationales, tirer les commissaires, clamer au Knam d'Améus pour te bailler juge Paul Pierre pression. Et c'est comme ça, Paul Pierre, après toute pression, il se prend, là, mais, et exécutif là, et juge Ben à Saint-Ville, sous pression, Jovenel Moïse, lui désigner un juge PHTK. Juge PHTK, ça, c'était ancien et avocat, famille Matéli, Ramon Sitaximé. Et c'est comme ça, depuis presque 2-3 mois, le dossier est arrivé, est tombé entre les mains de juge instructeur et Ramon Sitaximé. Et jusqu'à journée aujourd'hui, là, monsieur peut proposer pièce acte d'instruction. C'est-à-dire, monsieur Kembe dossier, le bureau, lui parler les pièces dilapidateurs et pétro-caribé. Nous-mêmes, ce n'est pas seulement requête là nous pour adresser à l'autorité vénézuélienne. Dans le jour qu'on là autour, nous avons requête n'a pas adressé et bail Ramon Staximé pour nous demander, monsieur, pour commencer à relayer dilapidateurs, voleurs, pétro-caribé, mais aussi tout pour nous faire comprendre que voleurs pétro-caribé, actuellement là, ils ont peur. Je commence à préparer pour quitter le pays. Donc, faut que monsieur fait un bagage. Lui qui a pris des mesures conservatoires, monsieur qui a empêché les gars de partir. Bon, bien que nous connaissons que c'est juge PHTK. Monsieur prend des mesures conservatoires pour le relais de la pilote de Petro-Caribé, pour le paraître devant la justice, pour le dire finalement, même avec tout le monde dans le pays, si le monde, jeune monde, grand monde, où sont passés les fonds Petro-Caribé. Voilà, Marc-Antoine Maisonneuvre. On a appelé à 6h40, on a pour recevoir la rubrique invité à côté. Salomon Sedmé, là, pour répondre à la question.